On me demande de vous parler en tout cas aujourd'hui des structures d'accompagnement et de leur mission. Donc les structures d'accompagnement ont pour mission en fait d'accompagner et de conseiller les porteurs de projets par rapport au développement et à la mise en œuvre de ce projet d'entreprise. Donc la structure en fait les aide à formaliser et à concrétiser leur projet d'entreprise, donc les aide vraiment à leur donner vie. Alors comment accompagne une structure d'accompagnement? Mais il y a différents types de structures d'accompagnement avec des méthodologies d'accompagnement qui sont différentes d'une structure à une autre. Si je prends ici notre structure d'accompagnement au sein de l'UCM, notre rôle va être vraiment d'encadrer et d'accompagner le porteur de projet dans la concrétisation de son projet d'entreprise et en le faisant passer par les différentes étapes que constitue l'élaboration d'un plan d'affaires. Et ça, je vais y revenir sur ces différentes étapes. Mais notre volonté est avant tout de leur donner en fait tout, les tuyaux, toutes les astuces pour pouvoir mettre ce plan d'affaires en boucle, mais on va laisser vraiment le porteur de projet responsable de son plan d'affaires. Donc on sera là en soutien, mais on entend vraiment à ce que le porteur de projet accompagne, cherche les informations, aille sur le terrain et nous collecte les informations nécessaires à la constitution du plan d'affaires. Ça, c'est un peu la mission, le rôle de chaque structure d'accompagnement. À côté de cela, il existe des structures d'accompagnement qu'on dit aussi des structures d'accompagnement d'autocréation d'emploi qu'on retrouve sous la dénomination CESS. Et là, on retrouve des couveuses et des coopératives d'activité dont le principe, en fait, ils offrent la possibilité aux porteurs de projets, demandeurs d'emploi, parce que ça, c'est la spécificité, demandeurs d'emploi, de pouvoir tester son projet grandeur nature. Ça signifie quoi? Ça signifie en fait que le porteur de projet demandeur d'emploi peut tester son projet avec le numéro d'entreprise de la couveuse ou de la coopérative, tout en conservant en fait ses allocations de chômage. Et donc il est déjà dans une situation d'indépendant, mais d'indépendant ayant en fait ses allocations de chômage. Si au terme de la période, parce que l'essai peut aller de 6 à 18 mois, si au terme de la période cet essai s'avère concluant, alors le porteur de projet peut là passer indépendant et prendre véritablement un statut d'indépendant. Nos missions vraiment en tant que telles, de quoi allons-nous parler avec le porteur de projet lorsqu'on l'accompagne et lorsqu'on l'encadre? On va tout d'abord en fait vérifier avec lui si son projet est bien en adéquation avec sa personnalité. Donc est-ce que notre porteur de projet a vraiment un projet pour lequel il a une expérience professionnelle ou à titre personnel qui est probante et qui va donner du crédit à son projet d'entreprise. Moi, je compare souvent cette situation-là à dire lorsque vous êtes salarié, lorsque vous souhaitez être salarié, que vous postulez pour un poste, pour une fonction de salarié, vous envoyez un CV et que va faire les RH, ils vont regarder si votre CV est en adéquation avec le poste pour lequel vous postulez. Pour un indépendant ou un futur indépendant, c'est la même chose. On va regarder si le porteur de projet a bien le profil qui répond à son projet d'entreprise. Pourquoi? Ben c'est simplement pour donner du crédit au projet d'entreprise. C'est vraiment important pour pouvoir discuter avec des tiers. C'est de dire, moi je connais mon futur métier, moi je connais le secteur d'activité dans lequel je vais me lancer. Donc, on va dire le premier point, c'est l'aspect profil. Le deuxième point, on va voir avec lui
les possibilités commerciales qu'a son projet. Est-ce que mon projet d'entreprise répond bien à des attentes? Est-ce qu'il y a bien une demande pour mon projet d'entreprise? Donc, on va vérifier avec lui s'il a bien ciblé sa clientèle. On va le pousser aussi à connaître sa concurrence, ses atouts, ses points faibles et de se différencier par rapport à ces concurrents-là. On va essayer de voir avec lui les canaux de distribution qu'il va utiliser pour pouvoir vendre, pour pouvoir prester ses services et donc se faire connaître. Ça, c'est vraiment très important. Il ne faut pas d'abord, entre guillemets, commencer à vendre sans bien avoir cerné son marché et ses canaux de distribution, sinon vous devrez faire marche arrière. Le autre aspect au niveau commercial, c'est aussi le lieu d'implantation. Est-ce que je vais me situer à Namur, à Bruxelles, à Anvers, mais également la localisation. Est-ce que je dois me situer dans une rue fort fréquentée ou est-ce que je peux avoir une activité à mon domicile? Notamment, je pense ici pour les personnes qui vont prester un service, il ne sert à rien d'être situé rue Neuve si vous voulez couvrir un territoire de plus grande importance, type la région Wallonne, par exemple. Donc là, l'aspect localisation a une importance un peu moindre. Après l'aspect commercial, on va aborder, en fait, lorsqu'on a bien étudié, en fait, l'aspect commercial, on va pouvoir, en fait, voir des moyens dont je dispose aujourd'hui pour pouvoir démarrer mon activité, mais aussi des moyens qu'il me faut acquérir pour pouvoir démarrer cette activité. Donc, on va aborder l'aspect de l'étude financière du projet. Alors, l'étude financière, il y aura tout d'abord, quels sont mes besoins, on va mettre un S parce que c'est souvent plusieurs, mes besoins en investissement pour pouvoir démarrer demain, et comment est-ce que je vais les financer? Est-ce que je dispose de fonds propres? Si oui, combien? Ou est-ce que je dois aller chercher des fonds chez des tiers, notamment organismes bancaires, structures publiques comme le fonds de participation, par exemple, la SOALFI. Lorsqu'on a détecté les besoins et qu'on a vu comment on allait financer ces besoins, alors on est à l'étape des prévisions de rentabilité du projet. Est-ce que je vais pouvoir vivre de mon projet d'entreprise? Mais au-delà de pouvoir en vivre, de dégager des bénéfices au niveau de mon projet d'entreprise, est-ce que mon entreprise va pouvoir rembourser les prêts que j'aurai contractés? Donc, est-ce qu'elle a une capacité de remboursement suffisante? Alors, si, au travers de ces différentes étapes, c'est OK, j'ai mon profil, OK, mes débouchés commerciaux sont là, j'ai bien cerné mes canaux de distribution. OK, j'ai mon financement et OK, ma rentabilité est bonne avec une bonne capacité de remboursement. Mon projet paraît vraiment partir sur une bonne voie. Il est vraiment sur les rails. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à concrétiser avec la partie bancaire, il nous reste à concrétiser l'aspect financement. Mais il nous reste à voir aussi, et généralement on l'aura déjà étudié un peu plus tôt, de voir est-ce que je démarre en personne physique, est-ce que je démarre en personne morale? Est-ce que je vais être indépendant à titre principal? Est-ce que je vais être indépendant à titre complémentaire? Donc les différents points que nous étudions avec le porteur de projet, c'est des points que toute structure d'accompagnement aborde avec eux et ça permet vraiment de formaliser au travers ces différentes étapes et de concrétiser mon projet d'entreprise. Si au-delà, une fois qu'on a concrétisé l'ensemble, alors on est à même de démarrer, on va au guichet d'entreprise, on demande son numéro d'entreprise, on s'assujettit à une caisse d'assurance sociale et là, c'est parti, on s'envole, on devient indépendant.